Histoire des Mandingues de l'Ouest. Djibril Tamsir Niane. Chapitre 4. Les Peuls entrent dans l'histoire du Gabon. Les paisibles pasteurs que nous avons vus s'installer timidement près des villages malinqués vont se révéler de farouches guerriers au 15e et au 16e siècle et mettront en péril l'empire du Mali, dont ils précipiteront la chute. Les provinces sénégambiennes devront se défendre seules, presque sans le secours du pouvoir central trop affaibli par les guerres contre les Touaregs et les Songhaï. Contrairement à leurs habitudes d'infiltration silencieuse, on assiste en 1460 à une véritable invasion Peul venue du Kingi et du Massina. Ce furent de véritables vagues d'envahisseurs qui déferlèrent sur les provinces occidentales. Nous ignorons encore les causes de ce mouvement de population. Il est probable cependant que celui-ci est en rapport avec les nombreuses guerres dont le delta inférieur du Niger était le théâtre depuis le brusque réveil des Touaregs vers 1430, qui aboutit, comme on le sait, à la prise de Tombouctou. André Donella, capverdien, ayant longtemps vécu en Guinée-Bissau, a parcouru en tous sens le pays, rapporte qu'un roi des Foulos, très belliqueux, sorti de sa ville de Fouta avec une grande armée et que, arrivant à une de ses villes du nom de Boukol, aussi importante que Fouta, il grossit encore son armée et décida de conquérir la plus grande partie de la Guinée. Ce peul du nom de Doulo Demba, peut-être faut-il lire Diallo Demba, traversa le fleuve Sénégal, il venait donc de l'Est, dans les pirogues, pénétrant dans le Djolof, bâtit les Wolof en plusieurs endroits et entra dans le domaine malinké, atteignit la Gambie à quelques 15 km du port de Kassan. Les Peuls, pour traverser le fleuve, auraient construit un pont de pierre. Demba Diallo fit combler la Gambie avec une grande quantité de pierre. Pour exagérer, dit Donella, on dit qu'il avait suffi que chaque soldat jette une seule pierre pour que le fleuve soit comblé. Mais, ajoute-t-il, cela est tout à fait invraisemblable. Ce qui est sûr, c'est qu'il a dû mettre beaucoup de jours à combler le fleuve de manière à traverser. Même aux basses eaux, il est impossible de combler la Gambie à la hauteur de Kassan. La tradition veut simplement mettre en valeur le grand nombre de peuls qui suivaient le roi Demba Diallo. Ils détruisaient tout sur leur passage. Les Malinkés ne purent les arrêter, ils traversèrent tout le Gabou, atteignirent le Rio Grande en pays Béafada. Le roi des Béafada de Kinara se porta au devant des Peuls. Tous les chefs Béafada se joignirent à lui. Ils formèrent ainsi une grande multitude. Il y a eu une bataille rangée entre les Peuls et les Béafada. Il y eut beaucoup de morts de part et d'autre. Mais les cavaliers peuls furent battus et Demba Diallo tué. Les Béafada, pour commémorer cette grande bataille un an plus tard, rassemblèrent les os des morts et dressèrent avec une grande enceinte. Donella a vu ce monument, mais fort dégradé, en 1581, soit un siècle plus tard. Où allaient ces peuls? Probablement, il comptait se rendre au Fouta Djallon, où étaient déjà installées de fortes colonies. Les pasteurs occupaient déjà tout le sud du Pakis et certainement une bonne partie du nord-ouest du Fouta Djallon jusqu'au Bowé, les plaines herbeuses de l'ouest. Animistes comme les natifs de ces régions, les Peuls s'insérèrent sans grand mal au sein des populations autochtones. Ces mouvements peuls ébranlèrent le Mali puisque de nomades s'étaient infiltrés dans plusieurs provinces. Ils occupaient déjà la rive droite du Sankarani et avaient fondé la province du Wassoulou aux portes même de la capitale.
Il tentait de fonder un foulard sur le Bafing. Et déjà, Omassina s'était établi en plusieurs villages et contrôlait une bonne partie du pays. On ne connaît pas exactement les causes du mouvement Peul au 15e et au 16e siècle. Cependant, l'effervescence créée par le commerce atlantique n'est pas étrangère au bouleversement sociopolitique de cette époque. Le Peul a pris conscience de son rôle économique dans un contexte général de régression économique et sociale, comme l'écrit J. Suré Canal. On perçoit une évolution considérable dans l'organisation sociale des anciens nomades, qui vont tendre à devenir aristocratie dominante. Il reste que ce processus de transformation nous échappe. Les Tengela. À la fin du 15e siècle, les Peuls des régions guinéo-gambiennes trouvèrent un chef d'une envergure exceptionnelle, Tengela Djadje Ba. L'histoire de ce meneur d'hommes est bien connue de nos jours. Les traditions regroupées de plusieurs provinces peuls permettent de reconstituer son itinéraire guerrier et les grands axes de sa politique. Tengela était de la vague des peuls venus fraîchement du Massina, où il était un chef de guerre, un ardo ou chef de clan. Arrivé dans le Pakis, il s'établit à Maru. Les Peuls le reconnurent comme chef et Tengela mit sur pied une grande armée. Son objectif était de retourner au Massina où il comptait se faire proclamer roi grâce à un fort parti Peul qu'il avait laissé à la place. Il comptait aussi sur les Bambara, supportant de plus en plus mal l'autorité des empereurs musulmans. Tengela Ba, ayant terminé ses préparatifs, gagna les rives du Sénégal en contournant le Gabou par l'est. Il traversa le fleuve avec son armée et entreprit la conquête méthodique du Bambouk et du royaume de Diara. Le Manding Mansa Mahmoud II sollicita l'aide militaire du roi Jean II du Portugal en 1481-1495. Une ambassade portugaise arriva à Niani en 1490, comprenant deux seigneurs, Pero de Évora et Gonçalo Eanes, porteurs de riches présents dignes d'un grand souverain. Mais si l'amour propre du Manding Mansa était flatté, il reste que l'aide militaire demandée n'avait pas été accordée. Le danger Peul fut écarté non par les Portugais mais par les Songoy. Tengela Ba fut battu et tué à Diara par Amar Kondiago, frère d'Askia Mohamed en 1512. Les Songoy étaient eux aussi attirés par le commerce atlantique. Koli Tengela, fils du chef Peul, rallia l'armée en déroute et la ramena dans le Pakis à Maru. Pour ne pas inquiéter les chefs Manding, il s'enfonça plus au sud, établit sa base dans les plateaux graisseux de Telimele. Il construisit là une forteresse qu'il baptisa Gueme Sangang, muraille de pierre en Peul. Koli Tengela. Longtemps, Koli Tengela est resté un personnage énigmatique. Les traditions Peul et Manding recueillies en Sénégambie et en Guinée sont concordantes pour dire que Koli est né d'une femme malinké du Massina donnée à Tengela par un chef malinké ou Bambara. Mais cette femme était déjà enceinte. Néanmoins, le chef Peul l'épousa et adopta l'enfant. C'est pourquoi certaines traditions disent que Koli Tengela était le fils de Sunyata, entendu d'un prince malinké. Ne faut-il pas voir là tout simplement le désir de la nouvelle dynastie de se rattacher à l'illustre famille impériale du Mali? Toujours est-il que Koli Tengela bénéficiera de cette aura et eut dans ses troupes de forts contingents malinkés du Gabou, du Pakis et même de Chania. Il eut un grand rayonnement dans ses confins. Les traditions le concernant furent manipulées par toutes les populations des régions Tenda, Bassari, Malinké, Kokoli, Landouma, Tiapil, Djalonké, etc. Koli Tengela fit de Gueme Sangang la capitale d'un véritable royaume. Il devait disposer d'une main-d'œuvre très nombreuse pour entreprendre la construction d'une forteresse en pierre. L'idée aussi était originale et prouve l'intelligence et la grande ambition du vaincu de Diara. Le site de ce Gueme Sangang était particulièrement bien choisi. Les nombreuses grottes des montagnes environnantes avaient été le refuge des gens de Koli avant la construction de Gueme Sangang. Le mur d'une épaisseur d'1 mètre
se déploie en arc de cercle et se ferme sur une haute paroi montagneuse abrupte. À la fin du siècle dernier, l'explorateur Olivier de Sanderval, à la recherche d'un établissement, découvrit la muraille de Tengela. Il fut émerveillé et construisit sa case à l'intérieur de la forteresse. Il nota un mur d'enceinte de plus d'un mètre d'épaisseur, subsiste encore au pied de la montagne sur une longueur de quelques centaines de mètres. Le mur est fait de pierres sèches, sans ciment, du moins le revêtement de banco a été enlevé par les pluies depuis très longtemps. L'agencement des pierres révèle un travail soigné qui dut prendre beaucoup de temps. Les pierres ne sont pas taillées et proviennent de la désagrégation du grès. Quand nous avons visité Gemesangang en avril 1960, le mur était éboulé en grande partie, les pierres ayant été bouleversées par la végétation, il en subsistait un pan sur environ 150 mètres, encore haut de 2,30 mètres et large de 1,25 mètres à sa base. À mi-hauteur de la paroi rocheuse qui barre le côté occidental, il y a une grande caverne qu'on atteint après avoir gravi un éblouï de pierre. Elle forme une grande salle qui s'ouvre sur l'intérieur de l'enceinte et sur l'extérieur, de sorte que cette salle, la vue donnée vers l'extérieur sur la double vallée de Kakrima Konkure qui a traversé la région de Kambaya et se dirige vers l'ouest. Un observatoire sans pareil qui permet de surveiller tout le pays. Hors de l'enceinte, vers le sud, on trouve à mi-flanc de la montagne une autre caverne dont l'entrée est fort étroite. C'est là que Koli Tengela aurait placé son trésor sous la garde des génies. Les chercheurs de trésors n'ont pas manqué de visiter Gemesangang. Le trésor de Koli Tengela a été caché dans les falaises qui limitent sa capitale. Les avides recherches des héritiers du roi ne l'ont pas encore découvert. Depuis lors, les rochers de Gemesangang sont hantés par les esprits. Olivier Sanderval, auteur de ces lignes, dut entreprendre des recherches pour son propre compte. Ne s'est-il pas installé dans les ruines de Gemesangang? Le mur d'enceinte entourait la ville royale, dont la population peut être estimée à environ 1000 âmes. Rien n'est resté des constructions en banco à l'intérieur du mur. Mais des débris de poterie jonchent le sol au pied de la montagne. Le site est inexpugnable. Gemesangang a la charnière du Fouta Djalong et des plateaux qui descendent vers les plaines herbeuses des Boé, commandaient un vaste territoire. On attribue à Koli Tengela la fondation de plusieurs villages autour de la forteresse, entre autres Sabende, Santigui, Dantigui, qui étaient en fait des villages de culture. Véritable frontière entre le Gabou et le domaine de Koli Tengela, le Koliba coule du sud-est vers le nord-est. Sur la rive gauche s'égrènent plusieurs villages peuplés de Badjaranké et de Kokoli établis là par le conquérant. Le village de Kadé, peuplé en partie de Malinké, relevait cependant de l'autorité du Gabou. Le royaume de Koli donna une personnalité politique au Fouta Djalong, qui s'affirma ainsi dès le XVIe siècle. Mais au Fouta, les peuls étaient loin de constituer la majorité. Koli poursuivit la politique d'intégration initiée par son père. Djalonké, Landouma, Nalo, Bagas, Badjaranké constituent les plus gros contingents de son armée. Son autorité s'étend sur le Kébou et le Mamnoma. Peuls nomadisaient déjà jusque dans le Labin, de cette localité à l'est jusque dans les Boé à l'orée de la plaine maritime. Les populations ne connaissaient qu'une autorité, celle de Tengela. Koli n'est pas seul. Il a de nombreux frères qu'il a installés comme chef de village. Il faut bien insister sur le fait que Koli ouvrit largement ses rangs aux non-peuls. Les Mandingues et les Djalonké semblent avoir été les plus nombreux. Né dans le pays, il s'identifia aux aspirations profondes des populations, incarnant leur tendance à l'autonomie, sinon à l'indépendance. Peuls et autochtones partageaient alors la même foi animiste. Un modus vivendi s'établit au Fouta, entre agriculteurs et éleveurs. Les premiers avaient leur village dans les vallées, les seconds parcouraient les plateaux herbeux et ne descendaient dans les vallées que durant la saison sèche, après les récoltes de riz et d'igname. L'Empire de Koli. Rassembleur d'hommes comme son père,
Colis vers 1525 disposait d'une armée nombreuse. Il pouvait à présent se lancer dans les conquêtes. Au dire des gens du Pakis, proches parents de Colis Tengela, celui-ci disposait d'une troupe de 22 000 hommes, dont 4 000 peuls éleveurs. Pour l'époque, c'était là une armée particulièrement nombreuse. Tous ceux qui étaient tentés par l'aventure suivirent le Silatigui. La tradition de Marou rapporte que la nourriture vint à manquer à Colis un jour. Celui-ci étant assis à diviser avec ses proches sous un bantan à Marou. Une perruche haut perchée laissa tomber des graines de mil d'un épi qu'elle tenait dans ses serres. « Il faut suivre cet oiseau, dit-il à son entourage. Il nous conduira au pays de l'abondance, Namandiru en peul. » C'est ainsi donc que l'armée s'ébranla, guidée par la perruche qui l'aurait conduite jusqu'au Futa Toro où s'épanouissaient de splendides champs de mil. Cette belle légende d'une perruche guidant une armée affamée jusqu'au pays de l'abondance cache la réalité d'âpres combats que Colis dut livrer d'abord au Gabou, ensuite sur les rives de la Gambie, puis au Djolof et enfin au Futa Toro. Cette équipée dura de 1525 jusqu'à vers 1535. Mansa Mahmoud III, petit-fils de Mahmoud II, malheureux allié de Jean II, renouvela la supplique de son grand-père au roi du Portugal en 1535. Mais comme en 1490, le Portugal se contenta d'envoyer une ambassade chargée de cadeaux au Mansa. D'armes, point. Jean II ne donna pas satisfaction à Mahmoud III. Après avoir bousculé les troupes des Farines du Gabou et du Wouli, Colis Tengela s'arrêta dans le Badibou et le Niani, sur la rive droite de la Gambie. Il aida les Mandingues de ces provinces à repousser les attaques des Wolofs. Le camp d'où il mena ses attaques contre les Wolofs porta le nom de Colibantan, fromager de Colis en langue locale. Le conquérant laissa dans le Badibou et le Niani une fraction de peul, les Sonko, déjà mandinguisés dès le Pakis, qui partageront le pouvoir avec leurs alliés mandingues du Badibou. Du Niani, Colis pénétra dans le Djolof, où l'avait précédé sa réputation de général invincible. Il se rendit maître d'une grande partie du pays. Enfin, ce fut la conquête du Futa Toro, où il renversa la dynastie des Dja-Oga et fonda sa propre dynastie. Colis avait compris le danger qu'il y avait à se diriger vers le Niger, où rivalisaient Malinké et Songhai. En tout cas, plus heureux que son père, il créa son propre royaume. Mais il était coupé de Guémé-Sangam par le Gabou. Une fois que Colis eut disparu de l'horizon, les Mandingues du Gabou se ressaisirent. Ils rétablirent rapidement l'ordre. Du reste, les peuls des provinces centrales n'avaient pas suivi le mouvement de Tengela, qui avait secoué surtout les provinces marginales comme le Pakis, le Badjar et vers l'ouest le pays des Béafada et les provinces gambiennes. Le foyer d'effervescence se trouvait au-delà de Koliba, dans les montagnes où les peuls étaient déjà nombreux. Mais les peuls ennemis du Futa Djalong n'étaient pas un danger pour le Gabou au XVIe siècle. Ses chevauchées à travers la Sénégambie la marquèrent profondément. Plus que Tengela Djadje, c'est Colis Tengela qui a laissé une forte empreinte sur le pays. D'abord, il apparaît dans toutes les traditions. Son nom résonne partout. Le fleuve qui sépare le Futa du Gabou porte le nom de Koliba ou fleuve de Colis. Les Landouma sont désignés comme Jean de Colis ou Kokoli. La province où il constitue la majorité au sud-ouest du Gabou s'appelle Colis. Nombreux sont les villages et les lieux dits du Badjar et du Konyagi qui rappellent son nom. Ainsi, le village de Colis Tengela chez les Konyagi et la province de Kolisoro à l'ouest, en pays Soussou. Les bas de Casamance, de Gambie, de Dalaba, de Mali, en Guinée, se réclament de lui. À Guémé-Sangam, on continue à croire que les trésors de Colis se trouvent dans les grottes. Chaque lundi,
Les génies les exhibaient au moment de la prière de 14 heures. Les Tengela ont-ils tenté de réaliser l'unité du monde Peul? Ce serait sans doute leur prêter une intention qu'ils n'ont jamais eue. Mais les trois pôles du monde Peul étaient identifiés, le Massina, le Futa Toro et le Futa Djalon. Et la conscience Peul était réveillée. L'étincelle de l'islam déclenchera, mais plus tard, une flamme bien plus vive que celle des Tengela. Tengela Djadje et son fils ébranlèrent l'autorité du Mandé Mansa. Les Peul s'installèrent en force dans le Bundu, dans le Bambougou et dans le Djara, coupant ainsi le Gabou du Mali. À l'intérieur des provinces du Gabou et de la Gambie, ils formaient des communautés soumises à la loi des Mandingues. Mais déjà, les Peul avaient acquis une nourriture spirituelle, à savoir le mythe de fondation que constitue la belle épopée des Tengela. Ce mythe deviendra force à l'heure des conquêtes Peul à partir du 18e siècle. Fin du chapitre 4. On se voit la prochaine fois pour le chapitre 5. Alors, le chapitre 5 aura pour titre Kansala et l'organisation du pouvoir royal. Prenez soin de vous. Merci beaucoup d'avoir écouté. Malas.